Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Des fusions tout seul, mais des fusions quand même. Donc voilà, petite vidéo les potes. Je sais que la lumière elle va pas être ouf, le son va pas être ouf, ça va être assez résonnant parce que voilà, c'est un home gym vraiment. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire la présentation de mon home gym ou comment se faire un home gym pour seulement entre 800 et 1000 euros, même moins cher si vous prenez sur le marché d'occasion, sur le Bon Coin par exemple. Cette vidéo n'était pas prévue, on avait une vidéo entraînement, confinement qui devait sortir aujourd'hui. Vous nous connaissez, on a oublié d'activer le micro, le problème. Donc je vous sors cette vidéo et elle sortira mercredi prochain. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour rapide du home gym. Moi j'en ai eu pour 960 euros, un truc comme ça, presque 1000. Mais voilà, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Je peux tenir quelques moi, même si c'est assez chiant, il manque quelques trucs, il manque des machines, des poulies, mais voilà, j'ai l'essentiel. Putain, la caméra elle est pas droite, je suis mort. Putain, c'est la merde, ce trépied il pue la merde. Donc voilà les potes, dans un premier temps, ce que j'ai acheté, vraiment le premier achat que j'ai fait, c'est ça. C'est une barre olympique, donc je vais vous montrer ça. C'est une barre olympique, donc c'est de la marque Leader Fit, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc voilà, vous avez des petits grips spéciaux pour les barres, etc. Elle m'a coûté 200 euros. Je suis assez content de l'achat, elle est robuste, elle est vraiment très bonne, c'est une très bonne barre olympique. On peut la retrouver dans certains fitness parks en plus. Mais voilà, sachez que si vous commandez du Leader Fit à l'heure actuelle, vous allez vous taper un délai de livraison très long et il sera beaucoup trop tard quand vous allez le recevoir. Moi j'ai trouvé le site lors du premier confinement, ils ont mis 2 semaines, 3 semaines à me livrer, déjà c'était très long. Là vous allez en avoir pour très longtemps. Donc j'ai un pote roquenard qui lui a attendu pour des haltères 3 mois. Ensuite la barre elle est posée sur des chandelles, comme vous pouvez le voir c'est une sorte de rack à squat. Mais c'est vraiment des chandelles séparées, je vais vous montrer ça, regardez. Donc voilà, vous pouvez voir ici, c'est fait avec des pieds que vous vissez vraiment fort, faut y aller fort, faut pas déconner parce que sinon ça bouge. C'est séparé en deux pieds, donc ce qui est cool c'est que je peux régler, je peux les serrer, je peux les desserrer. Ce qui est moins cool c'est que c'est beaucoup moins stable, mais c'est pas grave. Je les ai achetés sur Amazon, ils ont coûté 140 euros. C'est ok, c'est pas très cher pour des chandelles. J'aurais préféré un vrai rack à squat pour faire des vrais trucs dedans, genre du rack pull et tout, mais franchement, ça fait largement le taf. Ensuite, on va avoir ça. Donc, c'est un banc Domios que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Lui, par contre, je l'ai pas payé cher. J'ai payé ça que 50 euros, frère. 50 balles. Bon, c'est de la merde. Mais 50 euros, c'est pas beaucoup. 50 euros, tu peux faire développer couché. Tu peux remonter, développer incliné. Et tu peux même faire le mec bizarre si tu veux. Genre, tu peux juste le mettre comme ça. Tu peux le faire dans tous les sens. Tu peux même faire le mec bizarre comme ça. Moi, j'aime bien. Donc voilà, ce banc-là, il m'a coûté que 50 euros. J'ai été le chercher à une demi-heure, mais 50 balles, c'est que dalle. En plus de ça, le mec avec m'a fourni ça. C'est des grosses dalles, des dalles très épaisses. Donc c'est des dalles de power, concrètement. C'est des trucs où vous allez pouvoir claquer la barre. Ça va vraiment très bien amortir. Donc j'en ai 4. Je les positionne pour faire du power, en fait, simplement pour faire un peu de soulevé de terre et pouvoir claquer la barre. Il manque juste des bumpers. Ça sera sûrement le prochain investissement des disques bumpers. Et voilà. Je vais vous montrer les disques tout à la fin. On a le temps. On est le temps. On a des pubs à mettre. Non, je rigole. Bon, alors ensuite, vous avez des élastiques. Là, il en manque parce qu'il y en a que j'ai utilisé pour le poids du corps. Parce que je fais quelques séances poids de corps aussi. Ça me permet de varier un petit peu et de moins m'ennuyer. Donc, j'ai des élastiques de différentes résistances. En général, j'utilise très peu les gros. J'en ai 3 autres. C'est ceux que j'utilise le plus, le noir, le rouge et le jaune, je crois c'est. Et ils sont pas là parce que justement, je les ai utilisés en dehors. Voilà, je vais vous prendre à la main pour tout ce qui est le reste. Parce que je ne vais pas pouvoir poser la caméra. J'espère que la lumière sera pas trop dégueulasse. Donc voilà, ensuite avec la barre olympique, vous doutez bien qu'il faut mettre des poids dessus. Donc voilà, moi ce que j'ai pris ici. Ici vous avez 2 disques de 5, c'est des vrais disques dimension olympique. 2 disques de 5, 2 disques de 10. On va avoir 2 disques de 2,5. Voilà, c'est des petits poids, c'est vraiment pour être minutieux lorsque je vais faire du développé couché pour monter mes charges correctement. 2 disques de 20 kg et 2 disques de 15 kg. Donc voilà, ça manque de lumière, on voit pas trop. Mais ici vous avez les disques. Donc voilà, les disques, eux, par contre, m'ont coûté très très cher. Juste un disque de 20 kg, c'est 55-60 euros. Donc ça vous donne une idée. Je crois qu'il y en a ici pour 450-500 euros de disque. C'est n'importe quoi, comment c'est cher. Mais voilà, je me devais de le faire. Il était hors de question que je me retrouve sans m'entraîner. Déjà, le premier confinement, ça m'a fait beaucoup de mal. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ma transformation, allez la voir. Elle sera en description, elle va s'afficher juste là. Vous allez voir comment j'étais après le confinement et ensuite après entraînement, vous allez voir la différence tout de suite. Ne vous relâchez pas, continuez de vous entraîner, même au poids du corps, ne faites pas comme moi. Ensuite, comme dernier matos, je vais y avoir ici 2 haltères. Je vais la prendre dans mes mains parce qu'il n'y a pas de lumière, on la voit pas. Donc voilà, ici, haltère. Donc voilà, on est sur de l'haltère basique, réglable. Elle est réglable de 5 kg jusqu'à 20 kg. C'est pas énorme 20 kg, mais c'est largement suffisant. Vous pouvez faire du curl, vous pouvez faire des écartés couchés, des extensions triceps, du développé couché et incliné pour certains, ceux qui n'ont pas la force d'envoyer comme moi et Gigio du 40-50 kg. 20 kg sera très bien. Élévation latérale, enfin vous pouvez faire
énormément de trucs, du goblet squat, des fentes. C'est fou les possibilités que ça vous donne d'avoir des haltères. Et ce kit d'haltères là m'a coûté pas très cher. Je crois qu'il m'a coûté même pas 60€, un truc comme ça. Bon, je vais changer de main, j'ai l'épaule, elle congestionne là. Voilà, ensuite c'est vraiment quelques petits accessoires comme par exemple les bagues que vous voyez là. Vous reconnaissez, vous en avez sûrement à Fitness Park, c'est des bagues. Pour pas que les disques se barrent en fait pendant que vous entraînez. Vous êtes dans un home gym, vous êtes tout seul. Si vous blessez, il n'y a personne pour vous aider. Sécurité avant tout. Ensuite, moi je pense que c'est important parce que ça fait partie du home gym quand même. Petit ouais. Après l'entraînement, pour glisser, ça glisse tout seul, on dirait un suppositoire. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas, on travaille avec QNT, vous avez 20% actuellement, quand cette vidéo sortira, vous avez 30%, enfin 27% de réduction grâce au code FITNESSFUSION. Ça veut dire un pot de prod va vous coûter 40€, 2 kilos, 40€. Moi, je vous recommande celui-ci, c'est la Prime Way. Je suis très très difficile en termes de goût, j'ai fait plein de marques. Et celui-là est excellent, c'est vraiment excellent comme goût, j'aime bien. C'est pas pour vous le vendre, il y a d'autres marques qui font d'excellents goûts, mais celui-là, vraiment, niveau rapport qualité-prix, voilà, j'ai fait le tour du home gym. Je pourrais rajouter 2-3 trucs pour gonfler le prix, mais on va pas faire les enfants quand même. Et voilà les potes, restez connectés, il y a du très lourd qui arrive. On vous prépare du très lourd, des vidéos entraînement avec nous, vidéos confinement, training dehors, poids du corps, etc. Vous allez pas maigrir, on est là pour vous inquiétez pas les guerriers. En attendant, vous savez comment nous soutenir, YouTube en description. QNT, n'hésitez pas, code FITNESSFUSION, bombardé au max. Voilà, vous êtes confinés, c'est pas une raison pour négliger l'alimentation. Bien au contraire, complémentez-vous bien, alimentez-vous très bien. Ça vous permettra de minimiser la perte de muscles. Donc moi les potes, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. C'était FITNESSFUSION. Cette fois-ci, vous étiez uniquement en présence de Pimousse, mais toujours force et fun.